Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce panda. Il mesure environ 15 cm. Pour le réaliser, il nous faudra un crochet 3,5 mm, du fil noir et blanc qui se crochette en 3-4 mm, du rembourrage, des ciseaux, des yeux de sécurité de 10 mm, si vous n'en avez pas, vous pouvez les broder à la fin, une aiguille à laine et un marqueur de rang si vous en avez besoin. Pour les taches aux yeux en noir, on commence par faire une chaînette de 5 mailles en l'air. On commence à travailler dans la deuxième maille à partir du crochet. On va faire 3 mailles serrées. Dans la dernière maille, on va faire 3 mailles serrées. On passe de l'autre côté de la chaînette, on fait 2 mailles serrées, et on finit par une augmentation. À la fin, on a 10 mailles. Pour le rang 2, on va faire une augmentation, deux mailles serrées, trois augmentations. Deux mailles serrées, et on finit par deux augmentations. À la fin, on a 16 mailles. On finit par une maille coulée, une maille en l'air, et on coupe le fil. On place l'œil, mais surtout on ne le ferme pas. Il ne nous reste plus qu'à en faire un deuxième. Pour la tête en blanc, on commence par faire un cercle magique. Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Pour le rang 2, on va faire que des augmentations. À la fin, on aura 12 mailles.
Pour le rang 3, on va répéter une maille serrée et une augmentation. À la fin, on aura 18 mailles. Pour les rangs 4 à 6, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille. À la fin, on aura toujours 18 mailles. Pour le rang 7, on va répéter 2 mailles serrées et une augmentation. À la fin, on aura 24 mailles. Pour le rang 8, on va répéter 3 mailles serrées et une augmentation. À la fin, on aura 30 mailles. Pour le rang 9, on va répéter 4 mailles serrées et une augmentation. À la fin, on aura 36 mailles. Pour le rang 10, on va répéter 5 mailles serrées et une augmentation. À la fin, on aura 42 mailles. Pour le rang 11, on va répéter 6 mailles serrées et une augmentation. À la fin, on aura 48 mailles. Pour les rangs 12 à 18, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille, à la fin on aura toujours 48 mailles. On place les yeux entre le rang 9 et le rang 10. On laisse 10 mailles d'écart entre les deux. Pour le rang 19, on va répéter 6 mailles serrées et une diminution. À la fin, on aura 42 mailles. Pour le rang 20, on va répéter 5 mailles serrées et une diminution. À la fin, on aura 36 mailles. Pour le rang 21, on va répéter 4 mailles serrées et une diminution. À la fin, on aura 30 mailles. Pour le rang 22, on va répéter 3 mailles serrées et une diminution. À la fin, on aura 24 mailles.
Pour le rang 23, on va répéter 2 mailles serrées et une diminution. À la fin, on aura 18 mailles. On rembourre. Pour le rang 24, on va répéter une maille serrée et une diminution. À la fin, on aura 12 mailles. Pour le rang 25, on va faire que des diminutions. À la fin, on aura 6 mailles. On coupe le fil. On ferme le trou en passant dans le brin avant de chaque maille. On fait un nœud. On cache le fil. Et on coupe. Pour le corps en blanc, on commence par faire un cercle magique. Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Pour le rang 2, on va faire que des augmentations. À la fin, on aura 12 mailles. Pour le rang 3, on va répéter une maille serrée et une augmentation. À la fin, on aura 18 mailles. Pour le rang 4, on va répéter 2 mailles serrées et une augmentation. À la fin, on aura 24 mailles. Pour le rang 5, on va répéter 3 mailles serrées et une augmentation. À la fin, on aura 30 mailles. Pour le rang 6, on va répéter 4 mailles serrées et une augmentation. À la fin, on aura 36 mailles. Pour le rang 7, on va répéter 5 mailles serrées et une augmentation. À la fin, on aura 42 mailles.
Pour les rangs 8 à 11, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille. À la fin, on aura toujours 42 mailles. Pour le rang 12, on va répéter 5 mailles serrées et une diminution. À la fin, on aura 36 mailles. Pour le rang 13, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille. À la fin, on aura toujours 36 mailles. En noir, pour le rang 14, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille. À la fin, on aura toujours 36 mailles. Pour le rang 15, on va répéter 4 mailles serrées et une diminution. À la fin, on aura 30 mailles. Pour les rangs 16 et 17, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille. À la fin, on aura toujours 30 mailles. Pour le rang 18, on va répéter 3 mailles serrées et une diminution. À la fin, on aura 24 mailles. Pour les rangs 19 et 20, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille. À la fin, on aura toujours 24 mailles. Pour le rang 21, on va répéter 2 mailles serrées et une diminution. À la fin, on aura 18 mailles. Pour le rang 22, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille. À la fin, on aura toujours 18 mailles. On coupe le fil. Et on rembourre. Pour les bras en noir, on commence par faire un cercle magique. Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Pour le rang 2, on va faire que des augmentations. À la fin, on aura 12 mailles. Pour le rang 3, on va répéter une maille serrée et une augmentation. À la fin, on aura 18 mailles. Pour les rangs 4 et 5, il suffit de faire
une maille serrée dans chaque maille. À la fin, on aura toujours 18 mailles. Pour le rang 6, on va répéter une maille serrée et une diminution. À la fin, on aura 12 mailles. Pour les rangs 7 à 12, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille. À la fin, on aura toujours 12 mailles. On coupe le fil. On rembourre. On rembourre surtout la main et pas trop le bras. Et on ferme. Il ne nous reste plus qu'à en faire un deuxième. Pour les jambes en noir, on commence par faire un cercle magique. Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Pour le rang 2, on va faire que des augmentations. À la fin, on aura 12 mailles. Pour le rang 3, on va répéter une maille serrée et une augmentation. À la fin, on aura 18 mailles. Pour le rang 4, on va répéter 2 mailles serrées et une augmentation. À la fin, on aura 24 mailles. Pour les rangs 5 et 6, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille. À la fin, on aura toujours 24 mailles. Pour le rang 7, on va répéter 2 mailles serrées et une diminution. À la fin, on aura 18 mailles. Pour le rang 8, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille. À la fin, on aura toujours 18 mailles. Pour le rang 9, on va répéter une maille serrée et une diminution. À la fin, on aura 12 mailles. Pour les rangs 10 à 13, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille. À la fin, on aura toujours 12 mailles. On coupe le fil. On rembourre.
On rembourse surtout le pied et pas trop la jambe. Et on ferme. Il ne nous reste plus qu'à en faire une deuxième. Pour les oreilles, en noir, on commence par faire un cercle magique. Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Pour le rang 2, on va faire que des augmentations. À la fin, on aura 12 mailles. Pour le rang 3, on va répéter une maille serrée et une augmentation. À la fin, on aura 18 mailles. Pour le rang 4, on va répéter 2 mailles serrées et une augmentation. À la fin, on aura 24 mailles. Pour le rang 5, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille. À la fin, on aura toujours 24 mailles. Pour le rang 6, on va répéter 2 mailles serrées et une diminution. À la fin, on aura 18 mailles. Pour le rang 7, on va répéter une maille serrée et une diminution. À la fin, on aura 12 mailles. On coupe le fil. Et on ferme. Il ne nous reste plus qu'à en faire une deuxième. Pour la queue en blanc, on commence par faire un cercle magique. Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Pour le rang 2, on va faire que des augmentations. À la fin, on aura 12 mailles. Pour les rangs 3 et 4, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille. À la fin, on aura toujours 12 mailles.
on coupe le fil. Et on rembourre. Il ne nous reste plus qu'à assembler et coudre.